Salut les loulous, vlog numéro 5. Ce week-end, on reçoit l'Orgue. Du coup, l'Orgue, bah, une des bonnes équipes du championnat. Ils sont à 3 victoires, une défaite, il me semble. On a fait un match amical contre eux en pré-saison. Le résultat du match, c'était 80 partout. Donc on peut les battre comme on peut perdre contre eux. Pour ceux qui ont suivi les vlogs de la saison dernière, quand l'Orgue était venu à Bandol, bah, je vous rappelle l'ambiance qu'il y avait. Gros match, en plus la semaine d'après on va à Grenoble, donc ça serait vraiment bien de le prendre à la maison celui-ci. Avant de commencer, il faut aussi que je vous informe que cette vidéo est sponsorisée comme la dernière par Chain Nation. Donc Chain Nation, c'est quoi? C'est une des premières bijouteries en France sur le marché. Leurs bijoux sont mixtes, c'est aussi bien porté par des hommes que par des femmes. Il y a des sportifs de haut niveau qui en portent, des artistes, des influenceurs. Alors ils m'ont envoyé quelques pièces, je vais vous montrer tout ça. Le packaging, c'est une des choses qui m'a le plus choqué. C'est super propre, il y a carrément une lumière dans la boîte, c'est vraiment bien emballé, ça fait vraiment haut de gamme. Si vous voulez des chaînes, des bracelets qui brillent comme au steak, soit les joueurs NBA, soit les rappeurs. Vous tombez au bon endroit, c'est exactement le style qu'ils proposent. Le service client est noté 5 étoiles, recevez tout en 2 à 3 jours maximum. Tous les bijoux seront garantis à vie. Bref, c'est vraiment complet. Ils font aussi des habits, il y a des bagues, des boucles d'oreilles. Aujourd'hui, je me suis mis une petite chaîne simple avec le trèfle en pendentif. Bref, vous avez mon lien d'affiliation juste en bas dans la description de la vidéo pour accéder au site. Et vous avez 15% de réduction sur tous les produits avec le code LUC15. Bref, voilà, je vous laisse aller jeter un oeil, ça vaut le coup. Et puis sur ce, c'est parti pour le vlog. Bon, c'est bon, c'est parti. Comme tous les jeudis, je vais à la salle en avance pour coacher les U15. Allez, c'est parti. C'est vraiment parti cette fois-ci. Non mais on fait le concours du milieu de terrain hein. Je suis une voiture. Bon. Bon bah je voulais faire un concours du milieu de terrain mais ils ont pas voulu. Ah oui c'est vrai. Merci quand même. De rien. Mais on fait le milieu de terrain. Vas-y, viens. Ah vas-y. C'est bon, nous on fait sans vous hein. Joue. Vous êtes tous des gros bâtards, y'a personne qui veut jouer à mon jeu. Putain, c'est une dinguerie. Bonjour, on est trois, wesh. L'année dernière, il y avait tout le monde. Tu veux pas faire un petit tir à 3 points et tout ça pour le match de samedi? Non, non. Ouais, ça va, fait du tir là. Fais du tir. Le moral, ouais, fais du tir, fais du double pas. Ouais. Allez, bon. Yannis, on fait du tir? J'ai pas l'auto. On est ici. Grâce à l'ostéo JB. T'es prêt, oh, prêt à écrire l'histoire? Putain. Le dos, ça va Yannis le dos. Bon, tiens, je t'ai coupé ta selle. Tiens, non, pas tu. Bon c'est bon, tir fini. Il est 22h35, je suis un peu fatigué mais bon.
Il y a Raphaël qui a fait un airball de lancer franc pour finir la séance de tir. Ah, mais quoi? Ça? Non, rien. Je croyais que tu résumais encore le comment je t'ai botté les fesses du matin. T'as une cape? Ouais. Elio? T'as une cape? Superman? Super Krabos. Ouais, je récupère mes trucs. Bon, allez les gars. Ouais, de samedi, nous. Bisous, bisous. Ils font flanc, je sais. Oh le bas. Ah putain, je suis propre, espèce d'enfoiré. C'est qu'un tocard. Je suis un tocard. Ah, je vais t'aimer. Tu valides? Je valide. Et ça va mieux le dos? Tu t'es blessé au dos la semaine? Ça va mieux. Moi, j'ai une chair sur la tête, c'est parce que j'ai les cheveux mouillés pour pas tromper la crêpe. C'est pour tes internautes, c'est ça? Qui dit internautes? Non, ça va beaucoup mieux. Ouais. Et tu sors en caleçon? Non, c'est un shirt. Ah ouais. T'as pris du taille enfant? Non, c'est ça. C'est mon shirt. Hein? Ah, c'est juste les cuisses qui sont énormes. C'est bon, je viens de me réveiller. Jour de match, on est samedi. Moi, avant, à 15h, je coach les U15-2. Et après, bah, j'ai la prénat avant le nôtre, comme d'habitude. Et match de la Nationale 3. Bref. Bon, à chaque fois depuis la semaine dernière, je choisis tous les matins ce que je mets un peu. Bah là, du coup, je sais pas. Je pensais à mettre celle-ci. Je l'ai jamais trop mise, parce qu'elle est un peu grosse, mais elle est stylée. Faut oser la mettre, celle-ci. Et en bracelet, celui-ci. Je vais essayer ça tout de suite. Voilà, en vrai, c'est... En vrai, j'aime bien. En vrai, j'aime bien. Mon petit bracelet passe bien, c'est vrai. Parti, Nikos. Je viens d'arriver, j'ai fini de cocher mes 15, on a gagné, les 3 points. Donc c'est cool. Là, il y a la prénat qui joue, on va aller voir ça. Bref, voilà. Ah, c'est chiant, on n'en peut plus. Oh. Putain, meuf. Tout le monde. Ça vient? Ouais, merci. Chaque ballon est important.
On est le lendemain de la défaite. Match perdu. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. On fait un début de match assez merdique. On met une mi-temps à rentrer dans le match. Vous voyez les paniers marqués, les highlights et tout. Mais il y a beaucoup de trucs que je mets pas. Et on a foiré pas mal de choses. On prend un peu plus de 15 points d'écart assez rapidement. On met tout le match à remonter. Et puis à la fin, on fait une bonne deuxième mi-temps. Et on revient à ça. Et ça suffit pas. Bref, du coup, défaite. Pour ma part, j'ai pas énormément joué. J'ai fait quelques erreurs de concentration au début du match. Enfin, j'ai dû prendre 2 ou 3 tirs grand maximum dans le match. J'ai un peu moins joué que d'habitude cette fois-ci. C'est les choix du coach. Ils étaient pas si mauvais que ça parce que la preuve, on est à rien du tout de passer devant et de gagner le match à la fin. Donc, dommage. J'espère que le vlog vous a plu malgré tout. Il était un peu plus court que d'habitude. Je vais essayer de sortir plus de vidéos variées comme la dernière que j'ai sortie. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je réponds à tout le monde. Et à la semaine prochaine pour le prochain vlog. Yeah.